Tu sais, je suis un peu inquiète, parce qu'avec tout le travail que nous avons, on n'a pas le temps pour emmener les petites s'amuser un peu. À moins que tu passes un peu de temps avec Santiago. Mais ça se reproduira pas. Pourquoi pas? Parce que les gens sont pas ce que tu crois qu'ils sont, maman. Oui, enfin, tu sais, tu n'es pas non plus ce que les gens pensent que tu es. Comment? Écoute, ne le prends pas mal, ma chérie. Mais tu ne peux pas vivre en pensant que tout le monde est parfait, parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais alors vraiment pas. Personne n'est parfait, on ne peut pas juger les gens, tu sais. Regarde Miguel. Il m'a accepté avec mes deux enfants, et même avec le mauvais caractère qu'il dit que j'ai. Je dois bien lui reconnaître que tu n'es pas facile, non? Au moins, moi, je l'admets. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre dans cette vie sans se plaindre, hein. Elki, tu dois reconnaître que ce garçon t'aime bien. Il ferait n'importe quoi pour toi. Ah, tu es la seule idiote qui gagne au loto et veut rendre le gain. On va te transférer pour que tu puisses témoigner. Et où est le colonel Alzate? Il nous attendra au parquet. Mais ne t'inquiète pas, je vais rester avec toi. Je dois parler au colonel Alzate. Ou je ne bougerai pas d'ici. Calme-toi, Raoul, je vais rester avec toi. Écoute, je vais l'appeler tout de suite pour que tu puisses lui parler, d'accord? Calme-toi. Comment ça va, lieutenant? Tout est en ordre? Oui, plus ou moins, mon colonel. Raoul dit qu'il ne bougera pas d'ici tant qu'il ne vous aura pas parlé. Ok, merci beaucoup. Passez-lui le téléphone, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Tiens, vas-y, Raoul. Parle avec lui. Calmement. Comment vas-tu, Raoul? Que se passe-t-il? Colonel, je ne veux pas sortir d'ici. Je ne me sens pas en sécurité. Calme-toi, Raoul. Et dis-moi ce qui s'est passé exactement. Hier, un homme est venu... Hier, un sergent est venu et m'a menacé et m'a dit un tas de choses. Je pense qu'il vaut mieux que je ne sorte pas d'ici. Quel sergent, Raoul? De quoi parles-tu? Je n'ai autorisé personne à aller te voir. Est-ce qu'il s'est identifié? Non. Mais il a été très clair lorsqu'il a dit que ce n'était pas à mon avantage de témoigner. Il m'a aussi dit que ma vie était en danger ici. Écoute, Raoul, je vais m'atteler à la tâche pour trouver qui était cette personne et laisse-moi te dire tout de suite que ce sergent n'est pas une personne légitime. J'ai besoin que tu restes tranquille en ce moment et que tu me fasses confiance. Je vais faire toute la paperasse pour te transférer dans une autre brigade pour le moment où nous sortirons de l'accusation. Croyez ? Écoute, Raoul, nous sommes déjà dans le même bain. Tu ne peux pas me quitter maintenant. Tu ne peux pas changer d'avis maintenant. Laisse-moi te rappeler que ce que nous faisons est vraiment important, Raoul. Tu vas changer la vie de beaucoup de gens avec ça. Affirmatif, mon colonel. C'est un simple militant de la guérilla qui dit avoir été avec Sarah et travaillé dans le même groupe. Mais qui? C'est simplement l'un d'entre eux, l'un du groupe. Mais en fait, il ne dispose de vraiment aucune information. Et ne vous inquiétez pas, mon colonel, ce témoin ne pourra pas témoigner contre vous. Ça, je peux vous le garantir, c'est certain. J'espère bien, baronne. Écoute, pour une fois dans ta vie, fais les choses correctement. Tout est entre tes mains, là. Ma vie dépend de toi. Tu comprends? Très bien, mon colonel, comme vous l'ordonnez. Mais surtout, ne vous inquiétez pas. Ce garçon ne parlera pas du tout. Très bien. Vous êtes à jeun? Oui, madame. Vous prenez des médicaments? Non, rien, Dieu merci. Aïe, 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 aïe! J'ai toujours été en bonne santé. Voyons voir. Ouh, c'est froid. Allez, madame. Oui, madame. Attention, restez attention, tranquille, hein. Bougez pas, sinon vous allez casser l'aiguille. Non, non. Aïe,
Aïe. Ah, il va falloir recommencer, maintenant. Non. C'est que vous comprenez que je ne suis pas faite en caoutchouc, quand même. J'ai un vrai bras. Non, écoutez. Faut être tranquille, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont plus de mal que vous et qui Attendez, se plaignent même pas. Laissez-moi regarder de l'autre côté, d'accord? Je vous en supplie. Laissez-moi me préparer. Ce n'est pas facile, vous savez. Ce n'est pas facile. D'accord. Aïe. Oh, mon Dieu. Aïe. Oh, non. Voilà. Aïe. Ça y est. Oh. Vous voyez? C'était pas si grave. Déjà? Ouais. Oh, mais attendez, il y a quand même beaucoup de sang qui coule, là. Mettez-moi du coton et un pansement, voilà. Là. C'est Moi, je perds vraiment beaucoup de sang. Vite. Ah, non, vraiment, Mireia, je vous jure, vous m'avez fait mourir de rire avec votre histoire. Je crois que je vais vous envoyer faire des examens plus souvent. Docteur? Asseyez-vous, je vous en prie. C'est que... je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse. En fait, j'aurais une question à vous poser. Oui, pas de problème, bien sûr. Le problème, c'est que j'ai une fille de 14 ans et qu'elle a un petit ami. Mmh. Je voulais savoir si je pouvais l'amener ici pour qu'elle puisse parler avec vous, pour que vous puissiez lui donner des conseils et lui dire de bien se protéger, surtout. Bien sûr, pas de problème. Amenez-la. Je parlerai avec elle et je lui donnerai toutes les informations sur les modes de contraception. D'accord, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Et désolée du dérangement. Ok. Mireia, dites-moi, comment est-ce que vous vous protégez, vous? Quoi? Avec quoi je me protège? Avec quoi j'ai besoin de me protéger? La seule chose contre laquelle je me protège, c'est des voleurs. Parce qu'à mon âge, bon, vous très savez... bien. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats des examens. D'accord, merci. Je vous en prie. À bientôt. Prenez soin de vous. Oh, docteur. Vous allez devoir me pardonner, mais vous sentez si bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous portez? J'imagine que ça doit être très cher et de haute qualité et tout, mais ça sent délicieusement bon. Pour être honnête, je ne me souviens vraiment pas de ce que je porte aujourd'hui. Oh si, attendez, je m'en souviens maintenant. Ce n'est pas très cher. En fait, si vous voulez, je vous la porte demain. Ah bon, vraiment? Oui, je la porterai demain. Oh, je suis un peu gênée, mais j'apprécie. Parce qu'ici, tout sent la mort. Oui, c'est vrai. Allez, au revoir. Merci, à demain. Docteur, prenez soin de vous. Écoute, faire un témoignage, c'est très simple. Tu vas juste te limiter à parler et à répondre aux questions qu'on te pose. Et c'est tout, le procureur va aussi te poser des questions. Tu comprends? C'est exactement ce qui va se passer. C'est très simple, il n'y a pas de mystère. Ah oui, ils vont te filmer. Tu devras être très calme. Tout va bien se passer, tu verras. C'est loin d'ici? 5 minutes, nous sommes presque arrivés. Il faut que je te parle, c'est urgent, vraiment. Est-ce qu'on pourrait se voir, mais en dehors du campus universitaire? Oui. Et dis-moi, quelles sont un peu les nouvelles? Parce que je t'ai écrit 1 million de fois et tu n'as pas répondu. Je peux pas parler. On se voit dans 1 quart d'heure? Où ça? Tu vois l'endroit où mangent les gens de... les gens de l'administration? Ok, à toutes. Arrête de pleurer autant, le médecin a dit que tu devais nettoyer cette blessure. Oh, allez, je suis une vraie poule mouillée. Attends, laisse-moi reprendre mon souffle. Juste 1 minute, d'accord? Allô? Comment vas-tu? Bien, très bien. Écoute, Manuel, je sais que toi et moi, on est un peu distants en ce moment, n'est-ce pas? Mais je veux pas laisser passer cette journée sans te remercier. Parce que si c'est vrai que Raoul va dire tout ce qu'il sait, c'est grâce à toi. Aujourd'hui est un jour très important, non seulement pour toi, mais aussi pour toutes les victimes qui ont subi la même chose que toi. Écoute, je sais que j'ai traversé beaucoup de difficultés, beaucoup d'angoisse et que... je ne fais confiance à personne, même pas à mon ombre, parce que la vie m'a faite comme ça. Mais Manuel, c'est vrai... que grâce à ce que t'as fait, on va enfin faire payer ce porc pour tout ce qu'il a fait. Écoute, j'ai aucun moyen de te remercier pour ça, mais...
Ma vie n'est pas assez longue en amour pour finir de te remercier à ce sujet. Mais la justice va enfin être rendue et tout va s'arranger. Oui, j'espère. Le colonel Alzat lui-même me l'a garanti. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Soutenons la grève illimitée. Soutenons la grève illimitée. Non au licenciement massif. Non au licenciement massif. Nous exigeons de meilleures conditions de travail. Licenciement massif. Soutenons la grève illimitée. Nous exigeons de meilleures conditions de travail. Soutenons la grève illimitée. Comment ça se passe, Raoul? Merci beaucoup d'être venu. Non au licenciement massif. Ce que tu fais est très important. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Et en ce qui concerne ce qu'ils t'ont dit, ne t'inquiète pas. Il n'y a aucun fondement à ce qu'ils t'ont dit. Le témoin. Ne bougez pas, colonel. Est-ce que le témoin va bien? Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Une ambulance! Prends-moi! Docteur Tatiana, regardez ce qu'il y a dans les journaux télévisés. Venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une attaque au bureau du procureur et votre ami, le colonel, a été blessé. Laissez-moi voir. Voisin, comment ça va? Des nouvelles. Est-ce que je peux avoir des couches, s'il te plaît? Sur place. Apparemment, l'attaque visait un témoin protégé qui a pu s'échapper au milieu de la fusillade. Le témoin était avec le colonel Alzate du bureau des droits de l'homme de l'armée et a été blessé pendant la fusillade. Allô, Belki? Allume la télé, s'il te plaît, regarde les news. Mais enfin, comment peuvent-ils être aussi négligents? Maintenant, on est vraiment dans le pétrin avec ce rat en liberté. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me faire voir les nouvelles? C'est urgent, s'il vous plaît. D'accord, oui. Merci. Ramirez, allume la télé, s'il te plaît. Maintenant. Le colonel Alzate est actuellement transféré à l'hôpital militaire et son état est critique. Pendant ce temps, on nous informe que le témoin et les tueurs à gages ont pu échapper aux autorités et les gens se demandent comment une telle chose peut se produire juste devant le bureau du procureur et devant tout ce personnel armé. Éteignez ça. Tu le connais? Qui ça? Le colonel Alzate. Oui. Merci de m'avoir aidé. Plus tard. Remets-toi au boulot, Ramirez. Belki. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Je suis tellement en colère, docteur. C'est injuste. Ok, calme-toi. Viens ici. Allons dans mon bureau. Parlons-en. Viens. Je t'ai écrit 1000 fois. Je pouvais pas te répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a découvert quelque chose? Il t'a maltraité? Non. Alfonso ne m'a jamais maltraité. Rodri, j'ai réfléchi et avec tout ce qui s'est passé, j'ai compris qu'on devait
Arrêtez ça tout de suite. On peut pas continuer à se voir en cachette et tout ce qui concerne le chat, les textos et tout. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que la situation devient incontrôlable. Et toi ? Où en es-tu alors ? Que se passe-t-il avec toi ? De quoi tu parles ? Avec ce que tu ressens, ou tu vas nier que tu ressens quelque chose ? Non, je vais pas nier, mais il ne s'agit pas de moi, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il a toujours été question de toi ? Ou comment penses-tu que tout cela a commencé ? Tout ça a commencé comme un jeu. Rodrigo, c'est devenu incontrôlable non, et je veux non, pas continuer. Non, non, non. Tout a commencé parce que ton mari n'a aucune idée de la personne avec qui il est marié. Il ne te valorise pas. Et il ne t'inclut dans rien. C'est pas vrai ? Écoute, Rodrigo, je vais pas nier que beaucoup de choses sont vraies. Mais il y a eu aussi beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux moments. J'ai été mariée de nombreuses années et je suis en train de mettre en péril tout ça et je veux pas. Ok. Je ne te cache pas que je suis un peu perdu maintenant. Parce que je n'avais pas réalisé ça. Explique-moi ces belles choses, parce que vraiment, tu vois, je ne les avais pas vues, moi. Bah parce que tu passes pas tout ton temps je avec moi. Je n'ai pas besoin d'être avec toi tout le temps, parce que je te connais. Je le vois dans tes yeux. Je lis ce que tu m'écris ici. Quand tu me parles, le monde disparaît, comme il le fait pour moi. Où vas-tu le nier ? Non, mais... Alors dis-moi. Pourquoi as-tu peur ? Tu sais ce qui se passe ? Tu penses que tu n'as absolument aucun droit ici, hein ? Tu as tous les droits du monde de ressentir cela, et bien plus encore, parce que tu es très précieuse. Extrêmement précieuse. Bon, écoute, ça suffit. Et je veux que tu respectes cette décision. J'ai pris ma décision, Rodrigo. Tu ne veux pas t'arrêter. Sérieux ? Tu ne veux pas t'arrêter. Tu as peur. Regarde-moi. Mais je suis sûr que tu ne veux pas t'arrêter. Si, je veux arrêter. Écoute, je vais pas te dire que c'était pas beau et que ça n'a pas été spécial. Oui, j'ai ressenti des choses que j'avais pas ressenties depuis très longtemps, mais ça suffit. C'était rien. Connie, arrête, s'il te plaît. Vraiment. Je n'arrive pas à croire que j'imagine tout ce qui se passe ici, tout ce que nous ressentons. Tout ce que nous ressentons tous les deux. Allez, Connie. Regarde-moi. C'est quelque chose de plus que quelque chose d'amusant et d'excitant, comme tu le dis. Et tu le sais. J'ai pris une décision, Rodrigo, et je veux que tu la respectes. Et ça, ça m'aide pas du tout. Alors ton filleul nous a pris tous les deux pour des imbéciles et a dit que Raoul était mort, c'est ça ? Non. Je suis tellement bête, et dire que je t'ai fait confiance. T'es vraiment pas un cadeau, baronne. Colonel, ne vous énervez pas. Mon colonel, ne vous mettez pas dans cet état. Écoute, je me mets dans l'état dans lequel je veux. Et toi, tu ferais mieux de trouver comment régler ce problème avec ton filleul et arrêter de me prendre pour un imbécile. Qui sait ce que Raoul sait maintenant, hein ? Il n'a pas eu le temps, mon colonel. Il n'a pas eu le temps, mon colonel, parce que dès que j'ai su, je suis allé lui rendre visite et je l'ai convaincu de ne surtout pas témoigner. De quoi ? Comment t'es allé ? Où est-ce que tu lui as rendu visite ? Eh bien, là où il l'avait enfermé, mon colonel. Je l'ai trouvé et je suis allé lui rendre visite là-bas, au S2 de l'unité spéciale. Écoutez, mon colonel. J'ai utilisé tout ce que j'ai appris dans ce cours de rhétorique. Vous savez, l'utilisation de ces belles paroles. Je l'ai convaincu qu'il avait été piégé, qu'ils allaient le tuer et que c'est pour cela qu'il s'est échappé. Mais t'es devenu complètement idiot, quoi ? Comment as-tu pu lui rendre visite dans un centre militaire ? Ils sont probablement en train de te chercher partout en ce moment ! Mais enfin ! Non. Non, mon colonel, j'ai fait ça avec beaucoup d'intelligence. J'ai demandé cette faveur à un de mes amis et il n'y a aucune trace de ça. Et rien n'a été enregistré, non. Écoute, tais-toi, baronne, tais-toi, parce que plus tu parles et plus tu déconnes, ils vont t'avoir. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Ou je te garantis moi-même que je vais t'enterrer, ou c'est eux qui vont te filer 30 ans de prison, tu comprends ou pas ? Comme vous l'ordonnez, mon colonel. Je veux sur mon bureau un registre détaillé de toutes les personnes qui sont entrées pour rendre visite aux témoins.
J'ai besoin de tout, absolument tout. Caméra de sécurité, registre des nouveautés. Cette personne devait être l'une des nôtres. Celui qui a fait ça va devoir payer parce qu'il a failli coûter la vie au colonel Alzate. Et nous n'allons pas permettre que cela se produise.